J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Arthur Rimbaud n'est pas le seul à subir le charme de la mer. Bien des marins ont succombé à ses caprices, bien des conteurs en ont dévoilé ses trésors et ses dangers. Crainte et convoitée depuis des siècles, elle n'a cessé pourtant d'être parcourue par des milliers de marins. Et ces fonds mystérieux dans notre imaginaire d'enfant ont suscité la curiosité de milliers de pêcheurs. Didier Desprez en a fait sa passion. Et il est vrai que les hommes ont depuis toujours cherché de pénétrer la surface de la mer. Au début du siècle ressurgit un sport nouveau, la chasse à poumons, ou plutôt la pêche sous-marine en apnée, un sport lié au développement du nautisme et à l'engouement des stations balnéaires. Les techniques et les armes de la pêche ont évolué depuis lors, mais il y a des conditions qui en sont inchangées. Un pêcheur sous-marin a une parfaite condition physique et connaît bien les fonds marins. La pêche sous-marine se pratique en apnée. Il faut avoir une parfaite condition physique, à savoir bien muscler ses jambes, ce qui donnerait un palmage assez puissant et très important dans le courant. Développer la cage thoracique en salle de musculation. L'idéal, c'est de pratiquer la pêche sous-marine le plus souvent possible. En ce qui me concerne, j'y vais entre 3 et 4 et 5 fois par semaine et j'ai beaucoup de conditions physiques grâce à ça. Pour ceux qui habitent loin de la mer, qui ne peuvent pas trop s'aventurer, le jogging, la course à pied, la natation en piscine est très important. Nous avons de nombreuses traces de cette technique depuis l'Antiquité. Les précurseurs ont imaginé toutes sortes de matériel de chasse plus ou moins efficaces. Les premiers fusils, par exemple, sont apparus dans les années 30. De ce foisonnement, seuls resteront l'arbalète et le fusil pneumatique. Mais il ne suffit pas de s'équiper pour pratiquer la pêche sous-marine. C'est un sport soumis à de rigoureuses réglementations. Il faut être âgé au minimum de 16 ans, posséder une autorisation des affaires maritimes ou une licence de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Il est interdit de chasser entre le coucher et le lever du soleil et d'utiliser un foyer lumineux, de s'approcher de moins de 150 mètres d'un filet ou d'une embarcation de pêche en activité, de vendre les produits de sa pêche et de chasser en scaphandre autonome. La mer est un milieu qui peut être terriblement hostile. Elle est froide et corrosive. La pêche sous-marine nécessite donc un équipement spécifique. La combinaison est adaptée au type de pêche pratiquée. Elle protège du froid et du milieu naturel. Elle doit être ajustée au corps afin d'assurer l'aisance dans l'eau et les mouvements respiratoires. Il est bon de porter sur soi une dague ou couteau et de choisir un masque de petit volume adapté à son visage. Il faut partir avec plusieurs fusils de tailles différentes en fonction du type de pêche choisi. Bien sûr, ils doivent être tous déchargés hors de l'eau. Il existe deux types de palmes, réglables ou chaussantes.
Il ne faut pas oublier la ceinture de plomb, puisqu'un bon lestage assure une flottabilité positive en surface, même après expiration. Didier, tu n'as pas ici à vérifier le matériel de sécurité ? Ouais, je vais regarder. Regardez le pavillon. Pendant ce temps, regarde s'il y a le mouillage, s'il est prêt, la cigale, et regarde le plein du carburant. La cigale est un système de sécurité composé d'une garcette fine qui relie la chaîne au bout du mouillage. Lorsque ce dernier est enragué, il suffit de tirer sur la chaîne pour casser la garcette afin de basculer le mouillage et de le dégager plus rapidement. Ah, je veux pas bien. C'est bon, la cigale est certaine. Place le sac devant, tiens. Le réservoir, il est fait. Range les plombs de cheville. Tu t'en sers souvent de ça ? Mais on s'en sert quand on fait des agaches un peu profonds pour éviter que les palmes se relèvent. Avant de plonger, le pêcheur doit s'informer des conditions météo, connaître les vents dominants et les paramètres des marées. La réussite de la pêche en dépend, ainsi que la sécurité du pêcheur. Lorsque la mer est trop agitée, il ne faut pas hésiter à choisir une zone à l'abri ou de renoncer à la pêche. Il est nécessaire d'assurer son mouillage et d'indiquer sa présence en mer avec le pavillon alpha. La bouée signale la position du pêcheur. Elle est d'autant plus importante qu'au moindre problème, le coéquipier peut intervenir. Elle contient du matériel de rechange et de la nourriture en prévision de longs efforts. Après avoir pris toutes ces précautions, la pêche peut enfin démarrer. Il est conseillé de parcourir la côte afin de déterminer les meilleurs endroits de pêche en établissant le parcours le plus efficace, c'est-à-dire choisir la mise à l'eau qui évitera de palmer trop longtemps et déterminer le retour à terre qui devra être possible quel que soit l'état de la mer. L'orientation des vents est déterminante. En effet, lorsque les vents longent le littoral, ils créent un courant parallèle à la côte. Les parties abritées sont idéales pour la mise à l'eau. Les parties exposées sont poissonneuses. La pêche à l'indienne se pratique en eau peu profonde et consiste à raser les bords pour essayer de surprendre les poissons qui se nourrissent sur les parois rocheuses, garnies d'algues, de moules et d'oursins. On se déplace uniquement par la force des bras pour éviter le bruit et donc d'effrayer sa proie. Le poisson est repéré. Je plonge sans faire de bruit et me dirige lentement. L'arbalète est en position de tir, le bras tendu. Il ne faut viser qu'un seul poisson, mais ne jamais tirer au hasard dans un banc. Ici, les sopes sont trop éloignés. Je m'approche sans être vu afin d'ajuster mon tir.
Il est conseillé parfois de plonger entre des roches et des failles et d'attendre le poisson. Certaines espèces se confondent dans le milieu où elles se trouvent, comme le poulpe, le chapon et la baudroie. Les mouvements respiratoires doivent être profonds et calmes, ce qui mobilise le volume inspiratoire de réserve par le jeu des muscles intercostaux et abdominaux. On peut s'aider de légers croisements des bras. Une dizaine de ces mouvements suffisent à oxygéner le sang. Au cours de cette gymnastique respiratoire préparant à l'apnée, le plongeur ne doit en aucun moment présenter des signes de fourmillement, de crampes ou d'ébriété. Il est indispensable de ne jamais s'hyperventiler du plus du tiers du temps nécessaire à l'apparition de ces signes, sous peine de voir augmenter les possibilités de syncope. Le pêcheur est soumis à des variations de pression dès les 3 premiers mètres. Cette pression agit sur le tympan, paroi souple qui assure l'étanchéité entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Pour éviter la déformation du tympan, il faut insuffler de l'air dans l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache en déglutissant ou en se pinçant le nez avec les doigts tout en soufflant. C'est la méthode de Vasselva. Le plaquage du masque avec effet de ventouse résulte du même mécanisme. L'équilibre sera rétabli en soufflant par le nez au cours de la descente. La consommation d'air dépend du travail effectué, des variations thermiques et de la durée de l'apnée. Le bateau couvre une surface de pêche plus importante. Une planche reliée à celui-ci permet de tirer le pêcheur immergé afin d'identifier la nature du fond et de repérer les zones poissonneuses. Le pilote doit maintenir un cap déterminé à une vitesse constante tout en contrôlant les immersions de son coéquipier. Le fusil est plaqué le long du corps et maintenu par l'extrémité de la flèche pour faciliter le déplacement. La durée des apnées varie entre 1 minute et 1 minute 30. En inclinant la planche tantôt vers le fond, tantôt vers la surface, le pêcheur descend ou remonte au niveau de la mer. À cette vitesse, on peut passer sur des zones rocheuses, sur des bancs de sable ou des champs de Posidonie. La Posidonie est appréciée pour le camouflage. Pour éviter de trop bouger, j'appelle le poisson en lâchant quelques bulles d'air.
Ou alors, je tape sur mon masque avec la crosse du fusil. Ainsi, je reste toujours en position de tir. Voilà des loups. En voilà un qui arrive. Approche, approche, plus près. Dommage, il a senti le danger. Je n'ai plus d'air pour attendre. Je remonte. Ici, j'ai repéré une lasagne mal positionnée. Et avant de remonter, je l'incite à mieux se placer en créant un petit courant avec mes palmes. Le fusil balisant le trou, Alain n'a plus qu'à le récupérer pour tirer la lasagne. Un bon repérage des lieux est nécessaire pour aller vers la rague où les poissons sont les plus nombreux. Lorsque l'on souhaite retrouver des pierres que l'on a déjà explorées, on peut soit immerger la tête à partir de l'embarcation dans la zone, mais cela peut prendre beaucoup de temps, soit on recherche des alignements déjà relevés. Bon, regarde, on va aller sur une bonne pierre, Alain. Et ce qu'il y a de très important pour retrouver les bonnes pierres, il faut prendre deux alignements. Tu vois, le premier alignement, c'est le poteau gris qu'il y a sur la colline et qui va sur le petit pain de sucre. Tu le vois? Le rocher qui dépasse. Voilà, là, on y arrive, on y arrive. Voilà, on y est, là. Maintenant, regarde, de ce côté, il va y avoir, tu vois la colline? On y arrive. Les poteaux électriques, voilà, rouge et blanc, tu les vois, ils arrivent. Voilà, quand il est en plein dans le petit rocher, voilà, on y est. Je regarde si on voit la pierre. Prépare le mouillage. Thank you.
Didier descend sur la première pierre pour s'assurer de la présence du poisson. Hélas, il n'est pas au rendez-vous et il remonte. Il propose à Alain d'aborder la seconde un peu plus loin. Cette fois, c'est la bonne. Ils font diversion pour le rentrer à trous. Sûr de lui, Alain s'empresse de descendre sur la pierre. Il en néglige l'approche en tapant sur la roche et en glissant son fusil dans le trou avant de l'observer. Le poisson, averti, a pu s'échapper. Il faut aborder la pierre discrètement, par le côté, jamais de face. La pointe de la flèche va être insérée sans heurts dans le trou. Lorsque je discernerai l'intérieur. Peu à peu, les détails se précisent. Il ne reste plus qu'un chapon qu'Alain va essayer de repérer et de tirer. Ici, Didier aborde la pierre, les palmes en haut, pour ne pas avoir la tête en hyperextension et donc économiser l'air. Souvent, l'arbalète est à l'extérieur du trou, ce sera donc le pouce et non l'index qui déclenchera le tir. Pour enraguer le poisson à trous, il faut faire du bruit à la surface, en tapant sur l'eau ou avec le tuba. Le poisson effrayé va chercher à se cacher. Pendant la descente de Didier, Alain continuera à taper sur l'eau. Dès que Didier arrive, Alain le relaie et ainsi de suite pour exploiter complètement la faille. En demi-coulée, on peut également enraguer le poisson en tapant la crosse du fusil sur les plombs. Avant de s'aventurer dans une grotte ou une épave, il faut s'assurer qu'une sortie assez large est possible et éviter les grands coups de palme qui remuent la vase.
appelle pour droit au fond. Ouais. Didier a repéré une baudroie qui l'a obligé à changer de fusil. En effet, cette pièce de 23 kg a tordu la flèche et il a d'énormes difficultés à la remonter. La pêche à trous est une technique où la patience, l'anticipation et la rapidité sont indispensables. Il est donc nécessaire d'en avoir une pratique régulière pour que la pêche soit fructueuse. De la bonne analyse du site dépend la technique de pêche choisie. L'agachon correspond à l'affût pratiqué dans la chasse terrestre. Il faut mouiller le bateau loin du poste d'agachon pour ne pas avertir le poisson. Il y a deux types d'agachons. L'agachon de surface est une technique pratiquée en eau peu profonde. Pour ce style d'agachon, le poisson est repéré de la surface. Il suffit donc de se positionner au fond sans être vu en rasant la roche. Si le poisson n'est pas à portée de tir, en fin d'apnée, je remonte au poste de surface. La deuxième technique consiste à s'immerger jusqu'à son poste d'agachon, entre deux blocs de roche, à l'abri d'un tombant, à partir desquels on attend le poisson. Le comportement des poissons à l'agachon est variable selon les espèces. Certains sont plus méfiants que d'autres, comme la dorade, le sar et le loup. L'efficacité de cette technique est liée à la durée de l'apnée, car l'affût dépasse souvent la minute. Si au bout du troisième agachon, le poisson ne s'est pas rapproché, je me déplace vers lui pour le tirer. Bien que les vérades soient des prises faciles, il m'arrive parfois de les manquer, même dans les meilleures conditions. Cette technique exige également la plus grande discrétion du pêcheur, car les poissons effrayés s'échappent rapidement. La descente doit être alors discrète et de préférence en retrait du point d'agachon. Les fusils utilisés mesurent de 90 cm à 1,20 m.
être bien dissimulé, presque camouflé dans le milieu, être relativement immobile et orienté dans la direction des tirs, les palmes plaquées au fond, être calme et prêt à saisir le moment le plus propice, voilà les qualités requises pour être un bon pêcheur à la Gachon. L'effort physique, la durée de la pêche et le froid sont les facteurs principaux favorisant la consommation énergétique et la déshydratation du sujet. La pêche sous-marine demande donc une diététique augmentant les réserves énergétiques. Il faut donc boire de l'eau et manger par exemple des fruits secs. Certaines espèces viennent chercher de la nourriture en eau claire et peu profonde. Le pêcheur ainsi pourra les repérer plus facilement. Alain a repéré dans un trou un sar et un corbe, et pour le plaisir, va tenter de les tirer dans le même temps, sinon il risque d'en perdre un. Même en eau peu profonde, on peut rencontrer de gros poissons sous de petites pierres. J'utilise alors un fusil de 50 cm que l'on appelle ragueur. Cette technique corse très particulière permet d'effectuer des coulées profondes. Il faut être deux et très bien entraîné. Je pourrais descendre sans effort, avec un plombage léger et économiser mon air. En surface, nous nous plaçons à contre-courant pour nous stabiliser. Je remue les jambes pour prévenir Alain que je suis prêt. Il me pince les pieds pour me donner le départ et nous descendons. Mètres. Alain me pousse en palmant en force. 10 mètres. Toujours immobile, je me laisse pousser. 15 mètres. La coulée s'accélère. 20 mètres. Tandis qu'Alain, dans un dernier effort, me propulse avant de remonter, je me laisse couler dans le bleu en espérant croiser une belle pièce. En effet, à 30 mètres, elle est au rendez-vous. C'est un superbe mérou.
Il est là, superbe, devant moi, presque immobile. Il m'observe. Je le tiens au bout de ma flèche. Curieusement, il n'a pas peur et m'attire lentement vers son trou. Il est à quelques centimètres de moi. Je n'ai plus qu'à tirer. Didier y renonce. La proie est trop facile et le combat irrégulier. De plus, il a reconnu une femelle et sait que le mérou est une espèce en voie de disparition. Il part donc repérer d'autres poissons un peu plus loin. La discrétion est la condition constante à toutes les techniques. L'observation et la rapidité du geste garantissent de bonnes prises. Des qualités qui sont mesurées chaque année lors du championnat de France. Cette année, le championnat s'est déroulé sur les îles du Frioul à Marseille et a été organisé par le comité de Provence. Il a réuni les meilleurs chasseurs sélectionnés dans chaque région. Connaissant bien ce sport et la zone de pêche, Didier a été chargé d'assurer la sécurité en mer durant toute la compétition. Les épreuves sont réparties sur 2 jours, à raison de 5 à 6 heures par jour. Les chasseurs, sur une zone précise, ont un temps déterminé pour pêcher le plus de poissons possible. Le championnat est le lieu idéal de rencontre des passionnés de la mer, l'occasion pour certains de comparer et d'échanger ces techniques de chasse. C'est là aussi qu'on mesure combien l'exercice physique, la bonne connaissance du milieu, le courage et la persévérance sont des facteurs déterminants pour devenir un chasseur hors pair ou un futur champion. André Védrine, de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, le sait très bien. Ça s'est bien passé, André. Excellent. C'était bien la solution, c'était de se mettre à l'abri, de jouer à sécurité. Il y a eu beaucoup de poissons. Normalement, on s'attendait à ce qu'il y ait très peu de poissons, et après, si c'était une pêche normale dans une région, ce sera sélectif comme d'habitude. Donc, c'était très bien. Le vainqueur est celui qui marque le plus de points sur les 2 jours. Le calcul des points prend compte de l'espèce et de la taille du poisson.
Tu sais, la chasse sous-marine est un sport difficile et c'est bien cela qui le rend si passionnant. Mon secret pour devenir un bon chasseur, c'est simple. Il faut se mettre à l'eau souvent et essayer de comprendre la mer et les poissons plutôt que de tirer sur n'importe quoi sans réfléchir. Rester humble, discret et chasser avec mesure. La meilleure école, c'est sa propre expérience et aussi le contact avec d'autres chasseurs à l'occasion de stages ou de compétitions.